Déjà, bonjour à tous ceux qui sont déjà présents. On va attendre quand même quelques minutes. On va se fixer 11h02, 11h03 pour commencer. Alors comme j'entends des bruits, j'en profite. Rappelez à tout le monde si vous pouvez couper les micros. Et on fera les questions en fin de présentation. Bon, je pense que tout le monde est là. On va commencer tout doucement, on va dire. Donc, je rappelle à tout le monde, si vous pouvez couper les micros, vous pouvez envoyer sur la messagerie vos questions par écrit. Et il n'y aura pas de souci aussi pour échanger oralement, bien évidemment, à la fin du webinaire. Donc déjà, pour me présenter, je suis Richard Rosier. Je suis responsable du service Secure Building Automation. Je travaille dans le milieu de la GTB-GTC depuis 1988 et en historique, j'ai travaillé chez différents constructeurs et j'ai rejoint le monde de l'intégration en intégrant la société John Ekum, pardon, en 2011. Alors la présentation, elle se veut succincte en 30 minutes. On ne peut pas aborder tous les aspects et tous les détails de ce vaste sujet qu'est la GTB-GTC. Le but, c'est de vous donner quelques définitions, différents points clés. Les points d'intérêt et vous permettre de vous poser les bonnes questions dans vos éventuels projets de GTB, GTC. Voilà, donc je vais commencer tranquillement, ça laisse les derniers retardataires arriver. Donc on sera en trois parties, hein. On va déjà un peu parler du contexte, des avantages, définition des GTB, les différentes solutions techniques, encore une fois, ça ne sera pas exhaustif, et qu'est-ce qu'on peut avoir besoin pour déterminer et chiffrer une GTB, GTC. Alors déjà, effectivement, il y a une partie contexte réglementaire. Ce n'est pas le sujet du jour, mais c'est quand même important d'en parler, puisque il est paru cette année un décret qui va imposer dans tous les faits existants qui ont une puissance de chauffage et climatisation supérieure à 290 000 watts de posséder une supervision GTB ou GTC. Voilà, donc ça, c'est un point important. Alors après, qu'est-ce qu'une GTB ou une ETC? Vaste question. GTC, gestion technique centralisée, GTB, gestion technique du bâtiment. Mais on pourrait entendre aussi GTE pour gestion technique électrique ou gestion technique énergétique. On peut avoir le terme d'hypervision, supervision, monitoring. Bon, tout ça, en tout cas, ça sert à superviser des installations techniques, ce qui peut être le chauffage, la climatisation, les comptages, les alarmes, l'éclairage, ainsi de suite. Même la détection d'incendie, le contrôle d'accès. On va, disons, rester sur le principe que GTB est plutôt dans un contexte tertiaire, mais tertiaire bâtiment, hein, ça peut être un bâtiment industriel, et une GTC qui sera plutôt dans le domaine industriel en général, qui va regrouper une GTB et un plus du monitoring. Alors,
Effectivement, la GTB, c'est déjà aussi un interface homme-machine hein, avec des signes optiques, panneaux d'alarme et des courbes historiques. Bon, ça forcément, mais ce n'est pas quand même le seul intérêt d'une GTB ou d'une GTC. Ce qui est important en dehors du décret, encore une fois, c'est d'avoir. Vous pouvez optimiser vos prix de contrat de maintenance. Pourquoi? Parce qu'on a un gain de maintenance dans la surveillance des installations à distance. Vous n'êtes pas obligé de faire des rondes régulières pour voir tout ce qui se passe, surtout si vous mettez par exemple même des détecteurs d'eau pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite dans les locaux techniques. Vous êtes averti d'un problème par le biais des alarmes avant que l'utilisateur le perçoive, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que vous savez déjà que vous avez un problème en chaufferie avant qu'il n'y ait plus d'eau chaude sur vos radiateurs et vos climatisations. Vous pourrez bien sûr améliorer le confort des occupants, on verra tout à l'heure, sur des systèmes qui permettent d'automatiser le pilotage pardon, de la climatisation du nerf des stores, d'avoir des applications des commandes, surveiller les alimentations des disjoncteurs, voilà. Traçabilité, diagnostic des événements, ça revient un peu tout à l'heure pour la surveillance des problèmes. Confronter la plainte d'un occupant à la réalité enregistrée, pourquoi? C'est que des fois les gens se plaignent de température et il suffit de sortir une courbe pour montrer que finalement on est bien à la bonne température. Pour l'énergie, le comptage, mais effectivement, en historisant les comptages, on va pouvoir cibler les systèmes énergivores. Et encore une fois, ça revient à un problème l'avantage de maintenant, c'est qu'on pourra faire de la gestion à distance, par accès, et entre autres aussi la transmission des alarmes par GSM, SMS, mail. Il faut savoir qu'il y a des logiciels type alerte qui est un des plus connus, on a même des systèmes de redondance, de planning, d'astreinte, ainsi de suite, pour gérer tout ça. La gestion d'énergie, vous aurez la possibilité d'avoir l'historisation des compteurs dans un premier temps pour tout ce qui est consommation électrique, d'eau, calories, frigories, et vous pourrez en sortir des rapports. Et effectivement, il y a même des liens avec des optimisations d'énergie en modélisant le bâtiment avec la prédiction météo et faire de l'optimisation de pilotage. Et dans ce cas-là, souvent, c'est des logiciels qui sont parallèles de votre superviseur et qui vont déroger justement aux ordres habituels de la supervision. Voilà pour les principaux avantages. Après, pour la définition, alors, je fais un petit rappel ou petite précision, parce que les gens, des fois, je ne dis pas que c'est les bons termes, mais ils n'utilisent pas toujours quand même les bons termes. Il faut faire la différence entre conducteur et support et protocole. Conducteur, finalement, c'est du optique ou même du sans fil. Donc, c'est par où on va faire passer notre signal de dialogue. Après, on va avoir ce qu'on va appeler le bus de terrain, qui est en général le plus souvent le RS 485, mais là on va faire dialoguer qu'un protocole par bus. Autant que j'ai de protocole, autant j'aurai de bus. Et puis après, on va parler de ce qui est le plus actuel, c'est les réseaux Ethernet. Alors je ne rentre pas dans le détail, ce qui est IP, TCP, ainsi de suite, mais le gros intérêt, c'est qu'on va faire dialoguer, enfin, sur le même réseau Ethernet, il y aura plusieurs protocoles qui vont voyager. C'est pour ça que j'ai pris un peu le principe des voies de chemin de fer et des wagons. Par contre, des gens peuvent vous dire, ouais, j'ai un automate, tu fais raison qui est IP ou Ethernet, ça ne veut entre guillemets rien dire, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de savoir quel protocole on va dialoguer, est-ce que c'est du BACnet ou du Modbus, ainsi de suite. Donc voilà, ce qui est déjà pour un petit rappel. Ensuite, effectivement, on va avoir dans les protocoles propriétaires, constructeurs, c'est typiquement des constructeurs qui ont leur propre protocole, et du coup, vous n'avez pas le choix que de dialoguer qu'avec ce constructeur. Et puis ce qu'on va appeler les protocoles ouverts et donc non propriétaires, alors la majorité du temps vous avez Modbus, Mbus, BACnet, OPC, il y en a plein d'autres, mais c'est on va dire les plus couramment utilisés. Je vais parler d'un objet BACnet qui est pas, enfin du protocole BACnet pardon, qui est pas forcément très connu par les gens de l'industrie, qui est très très utilisé dans le tertiaire, mais qui a des gros intérêts et on l'a nous mis en œuvre sur des sites industriels. Pourquoi? C'est que le BACnet, pour faire une différence au Modbus, vous allez avoir une trame de questions pour chaque valeur que vous avez besoin. Dans le protocole BACnet, vous aurez, avec un seul objet, donc vous avez une technologie objet, et ben vous aurez dans le même télégramme la valeur, l'unité, les seuils, les états d'alarme, ainsi de suite. En plus, vous avez des objets tendance, ce qui permet de stocker au niveau des automates les archivages et de récupérer ces stockages bah, ponctuellement, toutes les heures, toutes les journées, toutes les 2 jours, au lieu de faire un pooling depuis la GTC tous les X minutes ou X secondes. Le programme horaire aussi, ça c'est très intéressant parce que le programme horaire se trouve résident dans l'automate et vous pourrez venir le chercher ponctuellement, enfin ponctuellement, quand vous en avez besoin pour le régler. Tout ce qui est historique, enfin, pour les changements d'état, l'automate, même s'il est hors com, il va enregistrer ces changements d'état et il va restituer un retour de la communication avec la GTC. Donc on n'aura pas de souci de ce côté-là.
Et en plus, on peut faire des choix mixtes dans le, on va dire, la façon de dialoguer avec le tomate entre le pooling et l'abonnement. Donc, abonnement, le fait que ça devient événementiel, en fait. Et donc, la vitesse n'est non plus du nombre de variables. Un petit cas concret, par exemple, pour un immeuble de bureau, on va dire, on va se retrouver en multiprotocole avec du BACnet, par exemple, sur tout ce qui est automate locotechnique, et des contrôleurs qui vont aller chercher aussi tout ce qui va être comptage en MBUS, Modbus, souvent les calories MBUS et tout ce qui est frigorie, enfin, électricité, pardon, en Modbus. Et même au niveau des contrôleurs de bureau, on aura des choses à date d'aujourd'hui qui vont être en BACnet. Sur réseau Ethernet IP. Donc, là, comme vous pouvez le voir sur le petit dessin à côté, on peut voir effectivement on pilote des vannes, des luminaires, des stores avec ces contrôleurs. Sachant que ces contrôleurs, aujourd'hui, c'est très puissant. On a quand même franchi des gros caps par rapport à avant. C'est-à-dire que vous avez vraiment des automates qui sont dans votre plafond, qui vont piloter effectivement vos installations, mais qui vont permettre d'avoir des applications tertiaires. Tierce, pardon, donc aussi bien d'avoir une télécom qui va être par smartphone. On peut imaginer le QR code quand vous arrivez à une salle de réunion et votre téléphone automatiquement devient le pilote de la salle de réunion ou de votre bureau. Et vous pouvez associer différentes applications dans la gestion de l'occupation des salles de réunion ou d'autres choses. Voilà, ces choses sont pas forcément très connues mais qui sont actuellement et qu'on a déjà installées depuis un certain temps. En parallèle de ça, vous aurez le fait de pouvoir cloisonner vos bureaux. Alors, c'est obligatoire dans le cadre du nouveau décret, mais là, on va pas forcément bien sur le dessin, mais vous avez aussi bien de l'open space ou du bureau, et vous allez définir vos zones géographiques, soit de bureaux virtuels ou de vos bureaux, pour associer les luminaires et les climatisations qui doivent fonctionner simultanément. Et le grand intérêt, entre autres, c'est qu'après, vous n'avez pas besoin, quand vous changez une cloison de place, ça devient que du soft, si je puis dire, vous n'avez pas à retirer du fil, à déplacer vos interrupteurs, ainsi de suite. Alors, au niveau des solutions de supervision, on va faire un peu le distinguo entre les ouvertes et les solutions de constructeurs. Les solutions ouvertes, son grand intérêt, c'est qu'on parle de multiprotocoles. Justement, pas de protocole propriétaire, donc vous n'êtes pas verrouillé et marié avec un constructeur, donc vous êtes multimarque. Et donc, le grand intérêt, c'est la dépendance. Petit inconvénient, entre guillemets, c'est que l'avantage des fois d'avoir un constructeur, vous avez choisi le constructeur X, vous vous reposez totalement sur lui parce que c'est à lui de se débrouiller de la compatibilité pardon, de ses licences avec ses automates. Donc, effectivement, quand on a une solution ouverte, on a besoin d'un minimum de compétences, ou en tout cas, on n'est marié à personne, mais du coup, il faut maîtriser ce qu'on fait. C'est plutôt un avantage. On va parler dans ces différentes solutions, ce qu'on peut appeler la solution web, ce qui est un mot un peu familier. L'intérêt, c'est que là, on n'a pas de. Enfin, l'intérêt, la définition, c'est qu'on n'a pas de poste informatique, c'est plus optionnel. On n'a pas de licence sur le PC client. En général, s'il y a des licences, c'est un nombre de connexions simultanées, en fait. Donc, c'est facile à accès à distance. Attention, parce que dans des solutions web, des fois, c'est purement propriétaire. Hein, donc, vous avez un accès, effectivement, à un automate, mais avec son logiciel, et vous dialoguez pas avec autre chose. Et s'il n'y a pas de PC, vous n'avez pas d'archivage longue durée ou pas d'archivage du tout. Je classerai une des solutions qui est la plus connue, la plus répandue, dans les solutions web, qui est la solution Nagara. Même si elle est un peu plus costaud que c'est un peu la résumée à ce niveau-là, qui est très adaptée à la supervision CVC tertiaire. Un de ses avantages, c'est qu'elle est utilisée par plein de constructeurs. À la base, c'est Tridium du groupe Honeywell, mais vous allez la retrouver chez Johnson Control, chez Distech Control, chez Centrine, chez Trane, les deux derniers étant dans le groupe Honeywell, qui ont des contrôleurs multiprotocoles. Vous aurez une base de données répartie dans vos différents contrôleurs. Le grand intérêt, c'est que les licences, vous avez aussi bien la partie runtime que développement. Et les clients, en général, c'est inclus. Et entre guillemets, illimité, ça va être plus souhaité lié aux des problèmes de Windows, de CAL, ainsi de suite. Inconvénient, on retrouve la même chose tout à l'heure. S'il n'y a pas de PC, sinon, il n'y a pas d'archivage longue durée. Donc, il faut bien y penser. Et c'est plutôt intéressant si vous êtes full Niagara, on va dire. Donc, du fait, c'est très intéressant, CVC Starter. Attention, je ne dis pas que ce n'est pas adapté à autre chose. Ensuite, on va plutôt parler de la CVC, enfin de la solution serveur client. Serveur client qui peut être aussi bien mis dans le tertiaire et l'industriel, où là on aura plutôt des éditeurs de logiciels. Dans les plus connus, vous avez Arc Informatique avec la solution PCVue, Wanderware, Panorama, et il y en a bien d'autres.
Intérêt, c'est que vous êtes sur du multimarque, pareil, multiprotocole. Là, par contre, vous avez plus de puissance que d'autres logiciels, c'est que vous allez faire vraiment interface homme-machine, donc opérateur sur mesure. Vous aurez des solutions objets, des solutions qualifiables. Quand je dis qualifiable, c'est que vous pouvez, au niveau de l'objet d'un graphique, vous pouvez le verrouiller avec une version. Donc, c'est très apprécié des accus chez les industriels, entre autres en pharma. En plus, avec un côté cybersécurité Active Directory qui est assez développé. Vous aurez la possibilité au niveau du serveur, d'un côté, ça oblige à avoir un serveur et des PC clients, mais d'un autre côté, le serveur, c'est que vous pouvez avoir plusieurs serveurs, un pour l'archivage, l'acquisition et le client, donc pour les cross-sites, c'est très important. Et de fait, même si la base de données, à la base, elle est centralisée, elle peut très bien être répartie parce que vous avez des systèmes qui permettent de faire de la répartition de charges. Donc, dans les inconvénients, ça peut être un problème s'il y a une base de données centralisée. Différence, c'est les coûts, parce que vous avez des licences runtime et développement qui sont indépendantes. Les licences clients deviennent individuelles aussi. Et tout ce qui est fonction, ce qu'on va appeler web, sont plutôt limitées, donc à être très prudent sur cet aspect-là. Un point à vous sensibiliser, gros intérêt de la virtualisation sur des gros sites, entre autres sur ces systèmes serveurs clients. La virtualisation, ça vous permet, vous avez un énorme, vous allez mettre un très beau serveur physiquement pour gérer tout ça. Et après, vous allez mettre des images. Gros intérêt, c'est que déjà, vous pouvez répartir vos bases de données, vous pouvez répartir vos tâches. Au niveau qualité, et qualification, c'est très simple aussi parce qu'à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de qualifier la partie physique, vous avez qualifié votre image. Et là, de la même chose que vous avez avantage en qualité, c'est en maintenance, c'est que le jour qu'il y a un problème, on revient avec un nouveau serveur physique, on fait un copier-coller et c'est bon. Raphaël, est-ce que tu peux demander aux personnes qui font des trous d'arrêter? Oui, je m'en charge. Excusez-moi, mais là, je sais pas, j'espère que vous ne l'entendez pas trop, mais moi, j'entends bien. Voilà, donc ça peut éventuellement limiter les coûts d'achat des licences, sécuriser le système GTC, voilà. Donc, ce que je viens de vous expliquer. Alors après, c'est comment déterminer et chiffrer une GTB GTC. Parce que souvent les gens disent, ouais, de quoi vous avez besoin? Alors ce qui est important, c'est que il faut avoir des quantitatifs. On ne peut pas inventer une GTB, une GTC, ainsi. Donc, en fait, ce qu'on va avoir besoin, c'est par exemple par étage, pour chaque TD ou enfin, tableau divisionnaire, ainsi de suite, bah, combien on a de départ, combien on a de comptage, combien on a de compte d'éclairage. Et ça, on peut déterminer nos points. On aura un quantitatif départ, on peut imaginer qu'on a tant de défauts, tant de retours d'état, les comptages, c'est pareil, et compte d'éclairage, ça nous donne nos sorties. Après, il peut y avoir des listes de points très précises, hein, effectivement, où là, vous avez. Clairement, les TATS, ainsi de suite. Alors, TATS, hein, tout ce qui est entrée tout ou rien, télé-alarme, télésignalisation, télécommande pour les sortiteurs, TM pour les télémesures, TR pour les téléréglages et les compteurs. Donc voilà, ça, c'est des choses quand même importantes. Ensuite, on va vous demander souvent le PID, parce que ça permet de se rendre compte et après, on aura besoin de toute façon pour faire les fameuses interfaces IHM. Ensuite, tout ce qui est un peu immeuble de bureau. Typiquement, on aura soit sous forme tableau, il faut être capable de nous dire par chaque niveau, chaque compartiment, ce qui est encore mieux, combien j'ai de luminaires, d'hosters et de capteurs multifonctions, et puis tout ce qui est CVC, compteurs, ainsi de suite. On peut travailler avec les plans, c'est-à-dire qu'avec les plans, comme vous pouvez voir dans le dessin du milieu, on va faire des petits carrés en disant voilà, mon contrôleur va piloter ces groupes de luminaires, ces groupes de store, ainsi de suite. Et après, on a entre guillemets le petit schéma de principe que vous avez sur le côté où on voit qu'un contrôleur pilote tant de luminaires, tant de capteurs multifonctions, ainsi de suite. Vous avez pour les choses qui sont un peu hors immeuble de bureau, les luminaires. Alors, des fois, les gens nous envoient les spécifications, combien ils ont de luminaires, ainsi de suite. Ça ne nous sert pas à grand-chose de savoir que dans le bâtiment, il y a 1200 luminaires. Ce qu'on a besoin, encore une fois, c'est de savoir où c'est localisé, dans quelle armoire, en fait, combien j'ai de départ dans telle armoire, combien j'ai de sorties, ainsi de suite, ou éventuellement une liste de points qui revient aux problèmes de choses pour déterminer ça. Point important, pensez cybersécurité. Tout le monde a forcément besoin de la cybersécurité.
Mais c'est quelque chose de plus en plus important quand même. Sachant que se couper simplement d'Internet, c'est pas forcément une solution. Parce que si vous n'avez pas d'Internet, ben, vous n'avez pas vos mises à jour Windows sur votre système, vous n'avez pas de mise à jour d'antivirus, et vous avez les risques des clés USB. Enfin, vous le connaissez tous, il y a des sites où les clés USB sont interdites. Ce qu'oublient les gens, c'est que le premier réflexe quand on trouve une clé USB, c'est pas de la brancher sur son ordinateur pour voir ce qu'il y a dessus, c'est plutôt de la jeter. Donc, dans les besoins de cybersécurité, vous aurez besoin de définir votre périmètre concerné, qu'est-ce qu'on veut protéger, l'identification des risques, qui sont souvent les gens d'ailleurs. Donc, il faut sensibiliser les acteurs à la cybersécurité et après, il faut effectivement renforcer les points vulnérables. Souvent au niveau des flux de réseau, donc tout ce qui va être réseau, les gestions d'accès, ce qui paraît un peu évident, donc forcément là, on va parler d'Active Directory, donc au niveau de centralisé, au niveau du client, et puis après tout ce qui va être chiffrement de données. Et ensuite, effectivement, c'est avec tout ça, ça sera pouvoir s'assurer qu'on peut répondre correctement à une attaque avec des plans de sauvegarde et de restauration fiables, plans de continuité, plans de gestion de crise. Tout, c'est pas de dire je coupe tout, c'est comment je redémarre le plus vite possible ma production. Sur un immeuble de bureau, ce n'est pas forcément très grave. Sur un site industriel, on comprend vite que la traçabilité, ça devient un gros problème. De la même façon, tout à l'heure, je parlais d'archivage. Des fois, l'archivage, il faut savoir la valeur qu'il a. Faut-il un archivage le laisser simplement sur son PC ou faut-il un serveur d'archivage très protégé parce que la valeur qu'on archive, c'est peut-être 2 ans d'historisation. Bon, les gens de la pharmacie vont comprendre de quoi je parle, mais voilà, c'est des choses importantes. Pensez à la maintenance. Pourquoi la maintenance? Parce que tout à l'heure j'ai dit on avait des temps en gain d'exploitation, on va dire, mais au niveau des rondes, de la surveillance. Par contre, il faut exploiter la GTB-GTC. Si on n'en fait rien, j'ai fait le petit dessin, c'est là on a des fois le cas, hein, on trouve l'étoile d'araignée sur l'ordinateur, ça ne sert pas à grand-chose d'en avoir une. Ok, il y a des choses automatiques, mais derrière, faut-il se servir de tous ces historiques? Donc, ne pas oublier d'exploiter votre GTB-GTC et de la maintenir. Alors, parfois, ça passe par des contrats de maintenance éditeur, qui sont plus ou moins obligatoires. D'avoir de l'assistance technique, vous avez votre métier à vous qui n'est pas forcément d'exploiter votre GTC, donc d'avoir un contrat avec un intégrateur ou un constructeur, si vous avez choisi la solution du constructeur, et de penser justement à la disponibilité de votre GTB-GTC. On parlait tout à l'heure de la cybersécurité, c'est pareil, c'est qu'il faut faire le curatif régulièrement. Est-ce que vous avez besoin d'astreinte pour effectivement avoir votre GTC le plus disponible possible? Trouver les données d'entrée, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que bâtiment neuf, on va dire, ça va, parce qu'en général, vous avez vos études, vos appels d'offres, il y a des CCTP, des listes de points, on aura besoin des quantitatifs bureaux comme on vous a demandé. Phase exé, ben, on passe sur la partie exé. Bâtiment existant, ah, c'est le gros problème, bâtiment existant, il y a des DDOE qui existent, malheureusement, ils sont souvent faux. Les architectures réseau sont souvent fausses. Les copies photos des signaux optiques existants, ben, pour le coup, c'est ce qui est le plus vrai, alors s'il y a des données qui existent. Les schémas de coffret, souvent c'est pas à jour, et les plans des tâches bureaux, ils sont souvent pas à jour. Mais enfin, c'est déjà une source d'inspiration, mais ce qui implique derrière forcément de faire des relevés, de faire des comparaisons sur site, et ça, mine de rien, c'est du temps. Après, quel temps on peut imaginer pour une GTB-GTC? Alors clairement là, effectivement, ça dépend forcément un petit peu des variables, enfin du nombre de variables, ça dépend aussi de votre rapidité et de la nôtre, mais clairement, vous avez déjà 3 à 6 mois pour déjà uniquement créer, pour savoir étudier votre besoin, faire les repérages, un cahier des charges, établir un budget. Ensuite, effectivement, vous avez aussi un talon, hein, une analyse fonctionnelle, les schémas, l'approvisionnement, de toute façon, il ne faut pas se leurrer, que ce soit petit ou grand, ça va prendre le même temps. Après, ce qui va varier, effectivement, c'est le temps de programmation de déploiement qui va varier de la taille du site. Mais typiquement, entre le moment où vous dites, tiens, je veux mettre une GTC et de l'avoir, ben, ça, je pense qu'un an, c'est un peu un minimum, et un an et demi, c'est un peu une moyenne. Encore une fois, c'est empirique. À savoir qu'on peut vous accompagner sur des certifications ISO 50001. Qu'on l'a déjà fait, on a des gens compétents. Me demandez pas à moi sur ce sujet parce que je n'ai pas travaillé, mais je vous donnerai les interlocuteurs. Alors, petite synthèse, rappel, gros intérêt de la GTC multiprotocole, ben, c'est une solution intégrateur indépendante de tout constructeur, laissant le client libre dans ses choix futurs d'évolution et d'exploitation. J'ai la phrase parce que franchement, c'est assez simple. C'est dire, vous êtes libre, vous avez travaillé avec un intégrateur, vous êtes content de lui, vous travaillez avec lui, vous n'êtes pas content de lui, vous ne continuez pas avec lui, vous pouvez le mettre en concurrence.
Vous pouvez changer de marque. Parce qu'il y aura forcément un éditeur sur votre logiciel, mais les automates, vous aurez une marque, vous devez changer, vous pourrez changer. Vous pouvez effectivement, ça dans toute GTB, GTC, améliorer vos gains d'exploitation de votre bâtiment et faire des économies d'énergie à travers l'exploitation de la GTB, GTC. Ce n'est pas elle qui va forcément vous faire du gain d'exploitation, même si vous aurez des programmes horaires, un certain nombre de choses automatiques qui vont vous permettre de faire de l'économie, mais il faut-il l'exploiter derrière. En rappel des besoins d'information, s'il y a une GTB existante, c'est bien de savoir la marque, parce que si c'est une marque qui est bien verrouillée, on ne pourra rien faire. Toujours savoir faire un choix de l'architecture, est-ce qu'on va rester sur des architectures vue de terrain ou est-ce qu'on aura des réseaux Ethernet? Est-ce que ce sera un réseau Ethernet individuel, complètement séparé de l'IT, on va dire du réseau client, qui dit réseau IT client dit forcément cybersécurité, je dirais. Est-ce qu'on est sur une solution plutôt web, plutôt sur une solution serveur client? Est-ce qu'on veut être sur de la virtuelle machine? Se poser les questions effectivement des marques de type contrôleur qu'on veut préconiser. Et ensuite, bah, effectivement, tout ce qui va être liste de points, schéma de raccordement, et pour les immeubles du bureau, encore une fois, par étage, lampe, équipe luminaire, capteur, ainsi de suite. Alors, de toute façon, on vous diffusera le PowerPoint ensuite. Là, vous avez les principaux interlocuteurs pour ce qui est d'Ecum, donc moi, Richard Rodier, forcément, Siegfried Cécillon pour tout ce qui est cybersécurité, Anna Guénère pour tout ce qui est maintenance. Philippe Rollin pour tout ce qui est accompagnement ISO 50001 et Alexander Moll, pardon, qui est responsable d'ingénierie de bâtiment, donc la partie plutôt définition, pré-étude, avant exécution. Voilà, bah, écoutez, j'espère avoir répondu à quelques questions, avoir suscité de la curiosité et je vais attendre vos questions. Pas avoir beaucoup de questions. Alors, soit j'ai été très complet, soit je veux dire que je n'ai pas tous perdu en route. Richard, dans ce cas, vous pouvez répondre aux questions qui avaient été posées en amont du webinaire. Peut-être revenir sur certaines questions. Ouais, mais j'ai pas. En fait, il y avait pas mal de questions qui étaient liées à l'énergie. Donc, les personnes, je les ai réorientées vers les bonnes personnes. Et d'autres choses, c'était pas vraiment. Enfin, il y a eu plus ou moins les réponses, je pense. N'y avait pas beaucoup de questions dans les pré. Vous avez surtout vous avez beaucoup parlé de BACnet, mais KNX est aussi une solution qui est déployée dans beaucoup dans le tertiaire, notamment. C'est apparu juste sur un slide, mais sans plus. Vous pouvez comparer un peu KNX à BACnet. Est-ce que ce sont des solutions qui sont indépendantes l'une de l'autre, mais elles ont des avantages et des inconvénients chacune? Alors là, typiquement, c'est là que toute la limite de l'exercice sur une demi-heure, c'est que, effectivement, moi je vous ai parlé de bâtiments plutôt importants. Le KNX, on va le retrouver plutôt sur des petits immeubles de bureaux. À la base, il est très orienté sur tout ce qui est éclairage. Maintenant, je sais qu'il est très utilisé dans Alors, je vais appeler région, c'est-à-dire que nous, typiquement, on travaille beaucoup sur Paris, Lyon, enfin les grandes métropoles, où là, on le retrouve très peu. Voilà, vous dire pour moi le BACnet, il n'y a pas photo sur l'aspect, comme je vous ai expliqué, l'aspect objet et de la puissance, ainsi de suite. Le KNX, on est plus, je dirais, alors je peux me tromper parce que j'en fais pas en fait, hein, clairement. Nous, on est un service où on n'a pas, dans notre marché à nous, ce n'est pas des typologies qu'on retrouve, mais on est plus sur des réseaux, alors c'est mieux que, mais on est plus par rapport à du LON ou des Modbus, c'est plus des bus de terrain, ainsi de suite. Oui. Donc voilà, mais effectivement, c'est très lié à. C'est très lié au type de bureau et au budget en fait. Hein. Je pense que les solutions KNX, il y a des solutions plus ou moins constructeurs KNX et qui sont très bien avec des prix intéressants, quoi.
Si je peux me permettre, le KNX est vraiment destiné à des petites installations. Donc, on a un coût d'infrastructure réseau qui est un peu important. Il faut des alim, des coupleurs, des choses un petit peu comme ça. Et le KNX, c'est plutôt des produits qui sont dans la distribution de l'électricien. Donc, nous, en tant qu'intégrateur, ce n'est pas trop des produits qu'on va déployer. Et comme Richard le disait, sur des grosses installations, dès qu'on va dépasser 3-4 000 mètres carrés, le KNX va être beaucoup, beaucoup plus cher que des solutions BACnet IP, Modbus, Sloan ou autre. Alors, je ferai un parallèle, alors, j'en ai pas parlé. Les gens connaissent peut-être LON, qui a été très très utilisé, entre autres en région parisienne. On est ouais. Ouais, mais pour toutes les marques d'ailleurs, tout ce qui était bureau, on va dire, est sorti les solutions BACnet IP il y a quelques années. On les met vraiment en service depuis 2-3 ans, je dirais. Et on pourrait croire, ce que je vous ai montré, les automates, en disant il y a de la puissance dans le plafond. On pourrait croire que c'est bien plus cher et on s'aperçoit en faisant des études que selon le contexte, on n'est pas plus cher, parfois moins cher. Mais de toute façon, on gagne tellement de temps au LON. Vous avez tous eu ce qu'on en fait, des problèmes avec les bus qui se déconnectent. Voilà, c'est dur à maintenir. Le grand intérêt quand on dit BACnet IP, c'est que vous êtes sur du réseau. Alors, ce que les gens peuvent appeler du RJ45, hein, tout à l'heure quand je parlais de termes filaires, fibre optique, quand on parle de BACnet IP, c'est que ce qui relie les automates, c'est de simples cordons RJ45, on les achète prémoulés, on les connecte les uns aux autres, et là, on gagne un temps fou de l'installation, et surtout en mise en service et en maintenance, ça va super bien, quoi. Et en fait, le prix du produit qui est un peu plus cher est largement économisé sur les prix d'installation, quoi. Donc, des fois, le modernisme, il y a quand même des gros intérêts. Et nous, clairement, en tout cas chez Ecom, on a fait le choix de plus faire de solutions LON qu'on classe maintenant dans les solutions low cost, on va dire. On peut quand même faire des solutions avec des vieux matériels. Alors après, on se retrouve avec des vieux contrôleurs qui sont paramétrables et pas programmables. Mais maintenant, nous, on a basculé directement dans tout ce qui est réseau, en tout cas sur le réseau Ethernet, quoi. Et donc la solution BACnet. Est-ce que tous les équipements ont une passerelle BACnet ou est-ce qu'il y a encore certains équipements qui n'ont pas de passerelle BACnet par rapport à ce que vous venez d'expliquer ou clairement, j'entends bien que pour les gros bâtiments, enfin moyen à gros, il vaut mieux passer sur une solution BACnet. Est-ce qu'on est limité pour l'intégration de certaines techniques qui n'ont pas encore de passerelle BACnet? Alors en fait, vous avez des contrôleurs qui sont nativement BACnet, même IP. Alors, vous avez ce qu'on appelle le BACnet IP, qui est sur donc réseau Ethernet. Vous avez le BACnet MSTP, qui est sur un réseau RS-485. Donc là, on va rester sur BACnet IP. On va dire tout ce qui est constructeur, donc de régulateur dit tertiaire. Je vais citer des marques, hein. Trend, Honeywell, Sauter, Distech, Johnson, Siemens, Schneider. Tous ces gens-là ont des régulateurs BACnet IP à date d'aujourd'hui et je pense qu'ils sont quasiment tous exclusivement BACnet IP. Il y a des gens comme Siemens qui ont leur protocole aussi en parallèle, mais on va dire sur la partie vraiment building, tout le monde est BACnet IP. Ensuite, sur ce qui est, donc ça c'est les régulateurs des locaux techniques, on va dire, tout ce qui va être centrale de traitement d'air, climatisation, chauffage. Ensuite, vous avez typiquement Vago Phoenix Contact qui servent à récupérer des points, comme je montrais sur architecture tout à l'heure, pour aller chercher des compteurs ou tout ce qui va être tableau de division, ainsi de suite. Bah eux, leur grand intérêt, c'est qu'on va avoir le choix entre du BACnet IP et du Modbus pour le protocole qui va communiquer avec la GTC. Et en dessous, ils vont être totalement multi-protocole. Ensuite, pour ce qui est les contrôleurs qui vont être dans les plafonds, à la date d'aujourd'hui, je crois qu'il y a 3 marques qui le sont. Il y a Distech, clairement, qui ont été assez précurseurs. Schneider a une gamme à peu près similaire et vous avez Siemens.
Voilà, je pense que les autres ne sont pas encore tous sur le BACnet IP. Donc, effectivement, vous avez encore énormément de marques qui sont encore en LON ou avec des protocoles propriétaires. Après, vous avez Solutions Vago qui mélange le LON, le Modbus, ainsi de suite. Nous, on n'est pas trop chaud sur ces choses-là. Je pense qu'il faut garder une certaine logique, il faut faire attention. Les mélanges de protocoles, tout à l'heure, je vous parlais des cloisonnements. Typiquement, pour faire du modulaire, c'est maîtrisé en LON à date d'aujourd'hui, puisque c'est une vieille technologie. C'est au point maintenant en BACnet IP, quand il faut mélanger des protocoles, ça devient très très compliqué, quoi. Ça devient des choses un peu des usines à gaz, quoi. Nous, en tout cas, on ne fait pas encore. Voilà. Après, ce n'est pas forcément des passerelles, hein, c'est qu'ils ont leur protocole intégré en fait. Après, quand on commence à parler passerelles, bon, c'est toujours un petit peu. Ça veut dire que soit on passe aussi du Modbus ou du Mbus et qu'on va sur vers la supervision, ça c'est logique. Après, si on parle passerelle, c'est des gens qui ne sont pas le protocole BACnet. Et la passerelle n'a plus d'intérêt d'être BACnet, d'ailleurs, soyez au passage. Hein. L'intérêt du BACnet, c'est quand vous êtes natif. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que vous aurez dans un objet tous les attributs du point. C'est-à-dire que vous aurez son nom, sa valeur, son unité, son seuil d'alarme, son état d'alarme, ainsi de suite. Donc, c'est bien quand l'automate est nativement BACnet. Si on passe par une passerelle, bon, ça n'amène rien, en fait. Hein. Vous ne pouvez pas passer en passerelle Modbus, enfin, Modbus, ainsi de suite, et ça sera pareil, en fait. Merci. Dans les réponses, je m'accorde le droit de me tromper. Hein. C'est toujours l'expérience, c'est une expérience quand même professionnelle, personnelle. Hein. C'est... On a toujours quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi, mais. Je pense que c'est un peu plus de 10 minutes que j'ai fini. Si personne n'a d'autres questions, je propose qu'on mette qu'on clôture peut-être pour libérer tout le monde. Ouais. Ben, en tout cas, merci d'avoir participé. Le webinaire a été enregistré de toute façon, donc au cas où, pour aller le diffuser. Et surtout, on verra le support. Et si vous avez des questions, des sujets plus ou moins précis, n'hésitez pas à revenir vers nous. Hein. Là, encore une fois, c'était de vous sensibiliser au sujet. C'est évident qu'on ne peut pas répondre à tout en 30 minutes. À bientôt, bonne journée à tous. Merci, bonne journée.